and worship God. If you understand me in English, stand on your feet and let's lift our hands and worship God. Open up your mouths. Ouvrez votre bouche. And worship God. Et louez le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. 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 We worship you, God. Nous te louons, Seigneur. Can I just get the musicians, if y'all don't mind, get back on the instruments? Est-ce qu'on pouvait utiliser les instruments, les Glory musiciens? To God. Come on, we come to worship God. On est ici pour louer l'Éternel. The Bible says that worship me. La Bible dit ici, vous me louons. Must worship me in spirit and in truth. Vous devez me louer en esprit et en vérité. I know many of you are tired. Je sais que vous pouvez être fatigué. Because I'm tired. Moi aussi je suis fatigué. But there's a blessing. Mais il y a une bénédiction. In your press. Dans votre louange. And if you can just open up your mouth. Ouvrez votre bouche. And give him glory. Et donnez-lui des louanges. Give your God praises. Donnez-lui des adorations. Come on, hallelujah. Allez, priez, hallelujah. 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 Glory to God. Gloire à Dieu. God is worthy of the praises. Dieu est digne de nos louanges. In America, we say, en Amérique, on dit, when I think of God's goodness, quand je pense aux merveilles de Dieu, and all that He's done for me, et son pardon, tout ce qu'il m'a fait, my soul cries out, et mon âme crie, Hallelujah! 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 Glory to God! Gloire à Dieu! Glory to God! Gloire à Dieu! Listen. Écoutez, if you don't mind, si vous ne vous en fichez pas, we say in America, let's have church. Et en Amérique, on dit très bien, let's have church. Qu'on ait l'église, let's have church. Meaning that we're going to let go. Ça veut dire qu'on va laisser tout. And let God. Et permettre à Dieu. Have His way. Avoir ses voies ici. I believe. Et je crois. That if you let go, et si vous vous agenouillez, and let God, et vous permettez à Dieu, have His way, d'avoir ses voies, miracles, les miracles, will be performed, s'accompliront. Debts will les be canceled. Les dettes seront payées. Will be canceled. Ils seront payés les dettes. If you just worship God. Si vous louez Dieu. Come on, clap your hands. Allez, applaudissez. Hallelujah. Hallelujah. I bring you greetings. I greet you. Et je vous amène. From the United States of America. Des Amériques, de l'Amérique. The great city of Charlotte, North Carolina. You may be seated. Et asseyez-vous. North Carolina. Et l'État de la Caroline du Nord. In America. En Amérique. It is such a blessing. Et c'est une bénédiction. Being home. D'être à la maison. In the great motherland. Et dans un grand pays. Of Africa. D'Afrique. Where life begins. Où la vie est très beau. Where life started. Où la vie va très bien. It is an extra privilege. Et c'est un privilège. Being in an awesome country. Dans un très beau pays. Of Rwanda. Rwanda. And because I'm here in the motherland, parce que je suis ici chez moi dans le pays mère, I'm going to act like I'm in the motherland. Je vais me comporter comme celui qui est chez soi. I'm going to jump like you jump. Je vais sauter comme vous le faites. I'm going to dance like you dance. Je vais danser comme vous. Because it's good to be home. Et c'est très bon d'être chez soi. Hallelujah! Hallelujah! You do not understand. Vous ne comprenez pas. But in America, mais en Amérique, a lot of us we crave. Et chez nous, on a beaucoup besoin. We have such a desire. On a le désir to be in the motherland. D'être dans nos pays mères. And to worship with you all. Et de louer avec vous tous. Hallelujah. Hallelujah. We bring honor. C'est un honneur. To the great leaders of this church. On est très honoré, on est très reconnaissant aux dirigeants de l'église. To the pastor in his absence. Au pasteur de son absence. To the evangelists that's here. Aux évangélistes qui sont ici devant. Pastor James and his lovely wife. Et pasteur James et votre femme. Pastor Christian Hall. Pasteur, notre pasteur. Who bailed out on me. Et tout le monde. But it's all good. C'est très bon. I believe God want to bless you today. Et je suis sûr que Dieu
et vais vous bénir aujourd'hui. How many of you believe that? Et qui le croit? You've been going through a storm. You went through a storm, a trial. Et vous avez passé des épreuves. Some of you are still going through it now. Et vous passez des épreuves même à maintenant. But God want to bring you out. Mais Dieu veut en finir avec eux. God has a plan for your life. Dieu a un plan pour votre vie. And it is great. Et c'est un bon plan. Let us pray. Prions. Father, in Jesus' name, we depend upon you for your Holy Spirit. Every activity that is operating in the atmosphere, bring it down, that your word may go forth in power and in boldness in the Holy Ghost. Father, we pray in Jesus' name that you will bring forth deliverance and salvation to your people. We stand in the need of a breakthrough, Lord. And we believe that you're going to bless your people. Speak the word, Lord. Use me. Use me, God. Break every yoke of the adversary that desires to distract and get in the way. We thank you for this great church. We thank you for this Rwandan experience. In Jesus' name, amen. Amen. I want to speak from the vein, my purpose cannot be denied. Et je vais vous parler que mon but ne peut pas être nié. When we talk about the purposes of God, on a parlé de but, de plan de Dieu pour nos vies. We talk about the planning of God. Et nous parlons des desseins, des plans de Dieu. Because God plans things. Parce que Dieu fait des plans. Just like you and I. Comme vous le faites. In fact. Et en fait, when you get up in the morning, quand vous vous levez le matin, you schedule out your day. Vous faites le plan pour la journée. I gotta go to work. Je vais aller au travail. Gotta make breakfast first. Je vais faire mon petit déjeuner. Then later on, et après, I'm gonna visit my friends. Je vais visiter mes amis and family. Et mes familles, mes parents. God is no different than you. Dieu n'est pas différent. In terms of being a God that plans. Et en ce qui concerne Dieu qui planifie. Everything concerning your life. Et tout ce qui se passe dans votre vie. Has been planned out. Il y a un plan derrière. By the Almighty God. Qui est fait par le Dieu tout puissant. Some of you have gone through some hard things in your life. Vous avez passé par les yeux parmi vous ont passé des choses terribles dans vos vies. But God is going to use it. Dieu va les utiliser for his glory. Et pour son gloire. Some of you have dealt with some hard things in life. Il y a des choses dures qui se sont passées dans vos vies. But God is going to use it. Mais Dieu va les utiliser to his glory. Et pour sa gloire. I want you to know. Je veux que vous sachiez that you are not a mistake. Que vous n'êtes pas un miracle, un accident. I said you are not a mistake. Comme tu n'es pas un accident. I know some of you may not have everything that you want in life. Je sais que parmi vous peut ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin. You may not have achieved your highest goals in life. Vous n'avez pas achevé vos plans, vos plus hauts plans dans la vie. But God has a plan for you. Mais Dieu a un plan pour toi. And God wants to increase you. Mais Dieu veut t'améliorer. And do something. I'm sorry. Dieu veut t'utiliser. And do something great in your life. Il y a quelque chose merveilleux dans ta vie. Psalms 139. Et en Psalms 139, 14 and 15. Et verset 14 du verset 19. Lisons en Psalms 139, du 14e verset. C'est écrit : Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont de merveille et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. I will praise thee. Je te célèbre. Because I am fearfully and wonderfully made. Parce que je suis une créature merveilleuse. You, the people of God, vous, les gens de Dieu, were made in the image of God. On est créé en image de Dieu. Your father. Votre père. I know sometimes you don't feel as if you're important. Il y a des fois que vous vous sentez comme si vous n'êtes pas important. But you matter. Mais tu es merveilleux. In the eyes of God. Et tu es utile dans les yeux de l'Éternel. When we look at
how God created the first man in the earth. Et quand Dieu a créé le premier homme, Adam, he was not just thrown together. Il était si grand, si merveilleux. But God took his time. Mais Dieu a pris son temps to create Adam. De créer Adam. In fact, before Adam was born, avant que Adam ne soit né, God, Dieu, prophesied, avait prophétisé his existence, son existence, his coming forward, et son arrivée. In Genesis 1, en Genèse 1, verse 26 through 28, au verset 23 au verset 26, God said, Dieu dit, let us make man in our own image. Créons un homme à notre propre image. What happened here? Before man was created, God thought about man. Et avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait pensé à lui. Before man took his first breath, God thought about him. Et avant que l'homme ne respire son premier soupir, Dieu avait pensé à lui. God prophesied that a man was going to come forward. Dieu avait prophétisé qu'un homme allait arriver. We look at Genesis 1. Quand nous regardons en Genèse 1, and it is the book of beginning. Et c'est le commencement de tout. It is the book where we see God work. C'est là où on voit Dieu au travail. We see God perform. On voit Dieu faire des miracles. We see God move. On voit Dieu se passer. Throughout the book of Genesis 1. À partir de la du livre de Genèse. The chapter Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. Throughout it says, and God. Et nous voyons Dieu dit. And God. Et Dieu. And God. Et Dieu. I am here to let you know. Je vais vous faire savoir que that God has to be in your planning. Que Dieu doit être dans vos plans. And God said. Et Dieu dit. What is it that God is saying to you, the church, the body of Christ today? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? God is saying to rise up. In the power of the Holy Ghost. Au pouvoir du Saint-Esprit. Because he's getting ready to breathe upon you. Parce que tu peux pas travailler sans le Saint-Esprit. He's getting ready to turn some things around for you all. Il est là pour te transformer. So all throughout Genesis chapter 1. À partir de la Genèse 1. And God said. Et Dieu dit. Let there be light. Créons la lumière. And there was light. Et il y eut la lumière. And God said. Et Dieu dit. So on and so forth. Qu'il y ait la lumière. And then Genesis 1, 26 through 28. Let us create man in our own image. Et en Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre propre image. When we move into Genesis 2, quand on arrive en Genèse 2, it's no longer and God said. Ce n'est plus Dieu dit. It changes from and God said. Ça change de Dieu dit. To the Lord God. C'est pour l'Éternel, le Seigneur Dieu. Oh, hallelujah. Somebody praise him. Allez, gloire à Dieu. And the Lord God formed man. Et Dieu l'Éternel forma l'homme. And the Lord God formed man out of the dust of the ground. Genesis 2. En Genèse 2, Dieu créa l'homme de la poussière. Glory to God. What am I trying to say? The word that was prophesied in Genesis 1. La parole qui fut prophétisée en Genèse 1 comes into fulfillment in Genesis 2. S'accomplissant en Genèse 2. There are some things that you are believing God for. Il y a des choses que vous devez croire. As it relates to the purposes of God. Et quand on parle du but de Dieu. You're in your Genesis 1 moment. Vous êtes dans Genèse 1. But start prophesying. Quand Dieu est en train de prophétiser. Because God is going to move you in your Genesis 2 experience. Dieu va t'amener dans l'expérience qui se passe en Genèse 2. Every word that has been linking into the environment. Et ce que Dieu était en train de faire dans l'univers is coming into fulfillment.
fruition in Genesis 2. Va s'accomplir en Genèse 2. The God that spoke, et Dieu qui parla, let us create, que créons l'homme, is now fulfilling, et il est en train d'accomplir, in Genesis 2. En Genèse chapitre 2. And the Lord God formed man, et Dieu forma l'homme, out of the dust of the ground, de la poussière, and man became a living soul, et oui, il devient un âme. I'm here to tell you all you need is God to speak a word. Et ce dont vous avez besoin, c'est que Dieu parle. And things will take shape. Et les choses vont se changer. And form. Ils vont se former. In your life. Dans ta vie. Now what God did. Ce que Dieu fit. He went an extra step. Il a fait un pas. And the Bible says he breathed breath. Et Dieu nous, et la parole nous dit qu'il soupira into man's nostril, et dans le nez, and man became a living soul, et l'homme devient une âme. The only way things are going to work for you, la seule façon que les choses vont s'accomplir pour toi, the only way you're able to come into the purposes of God, la seule façon d'entrer dans le but, le dessein divin, is that you need God, c'est que tu as besoin de Dieu, to bring life, de changer ta vie, into your situation, d'entrer dans ta situation. We look at the substance, nous voyons les substances, that God used to create a man, que Dieu utilisa pour créer l'homme, and it was dirt, c'était la poussière, something that did not possess much life, quelque chose qui n'avait pas de vie. And all God had to do, et ce que Dieu fit, was speak a word. C'est tout simplement de parler. You must speak a word. Vous devez parler over everything in your life, à propos de toutes choses dans ta vie, that is dormant, qui est dormant, qui s'endort dans ta vie, that is lifeless, qui n'a pas de vie. Speak the word. Fais une parole. What is it that you want God to do for you? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Speak the word. Parle. You have to decree. Tu as un décret. And declare it. Et le courage. In the atmosphere. Dans l'atmosphère. I shall be strong. Et je suis tout puissant. I shall be mighty. Je serai grand. I shall be anointed. Je serai anointé. My children shall be saved. Mes enfants seront sauvés. Your husband shall be saved. Ton mari sera sauvé. God is going to turn it around. Dieu va tout changer. You must believe. Tu dois croire. Now faith. La foi. Tu dois avoir la foi. Is a substance. La foi est une substance. Of things that we hope for. Oh, des choses dont on croit. The evidence. L'évidence. Of things. Des choses. Not seen. Qu'on ne voit pas. Can God do it? Et en effet ça. Yes, he can. Il peut le faire. Now unto him. Now unto him. C'est à lui. That is able. Qui est capable. To do exceeding. De faire au-delà. Abundantly. Yes. Abondamment. Above all. Au-delà de tout. That you ask. Yes. Tout ce que tu peux demander. That you ask. Ce que tu peux demander. And that you think. De ce que tu penses, God, Dieu will be do it, le faire. Somebody yell and say, God will do it. Allez, criez, Dieu fait le faire. God will do it. Dieu fait le faire. Come on, God will do it. Dieu le fera. You must believe God. Tu dois croire en Dieu. God spoke. Dieu parle. And declared His word. Je parle là et la terre se fait. Over nothing. De rien. Dust, dirt. C'est juste de la poussière. But God didn't see nothing. Dieu peut faire quelque chose à travers rien. God saw something in the earth. Dieu voyait quelque chose dans la terre. I see nothing. Moi, je vois rien dans la terre. You see nothing. Tu n'y vois rien. God, Dieu, saw something. Vu quelque chose. He saw the man in the dirt. Il voyait l'homme dans la poussière. Before the man came forth. Et l'homme venant de la poussière.
Hallelujah. You have to see things. Tu dois voir des choses before it happens. Avant qu'il ne se fasse. You got to see your relatives saved. Tu dois voir tes parents sauvés. Before it happens. Avant que ça se passe. You got to see your husband. Tu peux voir ton mari. Sitting in church with you, sister. Chanter à l'église avec tes sœurs. Brothers, you have to see your wives. Your wives. Tu peux avoir ta femme. Sitting in church with you. Chanter à l'église avec toi. You have to see your children. Tu peux voir tes enfants. Calling on the name of your God. Entrer à l'église. God is able to do it. Dieu est capable de le faire. So he sees the man in the dirt. Il voyait l'homme dans la terre. He did not have to speak again. Il n'avait pas besoin de parler encore. One time is good enough for God. Quel est le temps beaucoup plus propice pour Dieu? Because he spoke in Genesis 1 and 26. Et nous voyons qu'il parla en Genèse 2, verset 26. He didn't have to speak again. Il n'avait pas besoin de parler encore une fois. When you ask God for something, quand tu demandes quelque chose à Dieu, it's a done deal. It's done. C'est fait. You can take it to the bank of. Oh my God. You can take it to the bank. Tu peux aller à la banque. And cash it in. Redeem it. Et rembourser tes dettes. When God speaks, quand Dieu parle, he will perform. Il va accomplir. What he says. Quand il parle. When God breathed into Adam's nostril, quand Dieu soupira dans les nostrils d'Adam, God was breathing his will. Dieu était en train de respirer son but. God was breathing life. Dieu était en train de respirer la vie. God was breathing his purpose in Adam. Était en train de respirer son but, son destin en Adam. God did not have to tell Adam. Dieu n'avait pas besoin de dire à Adam everything. Toutes choses. Not only that, but he gave Adam authority. Authority and power. C'est l'autorité qui fait accomplir les choses. You, the church. Utilise l'autorité que tu as. Have power. Et le pouvoir. In the Holy Ghost. Et dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. After that, the Holy Ghost has come upon you. C'est le Saint-Esprit qui doit venir à toi. He shall receive power. Et vous aurez le pouvoir. I'm here to tell you today. Je suis ici pour te dire aujourd'hui. That God wants to use you. Dieu veut t'utiliser. Why did God create Adam? Ce que Dieu fit à Adam. God didn't have to create another. God didn't have to create Adam. Dieu n'avait pas besoin de créer Adam. But there was a purpose in Adam's creation. Il y avait un but dans la création d'Adam. You know why? Ça fait quoi? There was a devil. Il y avait un diable. That was loose in the earth. Et qui se vagalait partout au ciel. And the devil. Et le diable. Wanted all the glory. Et voulait toute la gloire. To himself. À lui tout seul. And so we understand according to the scriptures. Et nous devons mettre debout devant les Écritures. That there was a time that Satan was in heaven. Et nous devons croire qu'il y a un moment où le diable était au ciel. He was over the music ministry. Il était dans la musique. He could play skillfully. Il peut le faire très bien. The music of God. Et la musique de Dieu. Came out of him. Et la musique de Dieu venait du diable. The pipes of God came out of him. Les sons de Dieu provenaient du diable. He understood music. Il comprenait très bien la musique. He understood rhythm. Il comprenait bien le rythme. He understood chords. Il comprenait bien les cordes musicales. Musical chords. Les cordes musicales. And to these brothers. To the brothers. Et à nos frères. If one of you play a chord that is not in sync with the music. Si vous faites un son qui n'est pas en rapport avec la musique, it is